Traiter approche et avec lui refleurissent nos complexes et exigences envers notre corps. Ah, le fameux rapport au corps. Des thérapeutes en ont fait leur cheval de bataille. Parmi eux, Stéphanie Barrioz, accompagnante psychocorporelle que les causeries ont rencontrée chez Ananas et Asana, bar à jus et yoga de la Guillotière. On va prendre un temps d'échange quand même, parce que pas bien dans ma peau, ça peut prendre quand même pas mal d'angles et de facettes. Mais moi, je peux proposer à la fois soit un travail sur simplement l'apparence déjà, avec la coupe harmonisante, avec le miroir aussi, où là, on va travailler sur comment tu te sens face à toi-même, dans le miroir, quelles sont les mémoires qui reviennent, quels sont les blocages finalement, et chercher, comprendre qu'est-ce qui joue pour toi. Après, il peut y avoir un travail aussi en énergétique, puisque moi, je fais un soin que j'appelle message du corps. J'aide les personnes à découvrir comment leur corps exprime des choses et qu'est-ce qu'il veut leur dire. Voilà, donc ça, c'est vraiment un soin individuel. C'est difficile à vraiment spécifier parce que ça prend des angles différents suivant les besoins de la personne. Et je prends toujours un temps d'une première consultation ou échange, en tout cas, pour définir plus clairement que je ne me sens pas bien. Parce que là, derrière, il y a tellement de choses que c'est difficile. Et j'ai vraiment utilisé tout mon apprentissage et mes connaissances pour faire un accompagnement avec le miroir et l'utiliser comme un outil vraiment thérapeutique. Et cet outil, pour moi, il aide à, au lieu d'être toujours dans le regard de l'autre, hein, je me compare à l'autre, j'ai la validation de l'autre, ben là, on va travailler sur j'ai la validation de moi à moi. Alors parfois, ben, on voit les jugements qu'on a déjà sur nous-mêmes, comment on s'aime, est-ce qu'on arrive à se regarder. Et vraiment, cet outil, il aide à travailler sur la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, vraiment. Sa posture aussi, ça peut aider dans les problématiques professionnelles, quand on n'arrive pas à prendre sa place au travail, quand on doit parler devant un public et on n'a pas l'habitude, comprendre ce qui joue. Et ce qui est important pour moi, c'est que la personne, elle puisse elle-même se donner une valeur, entre guillemets, se jauger et prendre conscience de tout ça. Parce que la plupart du temps, vraiment, on se regarde par rapport aux autres et on attend la validation des autres. Alors, c'est un soin, je dirais, intuitif. Je vais travailler au niveau intuitif, mais aussi avec le langage du corps, puisque lorsqu'on pose une question à une personne, il y a plein de choses qui se mettent en place dans ses petites mimiques, dans ses gestes. Et tout ça, moi, je les entends facilement, je les vois tout de suite. Donc, je vais aider par des questions. À faire une réflexion. La personne a évolué dans sa réflexion, dans son ressenti, peut-être aller chercher des croyances. Souvent, il remonte des images aussi. Hein, lorsqu'on va mettre le doigt pile poil sur le message qui n'est pas connu par la personne, moi, je vais y mettre un mot, la personne, ça va la ramener à des mémoires. Son cerveau va faire un travail de fou, en fait. Hein. C'est vraiment utiliser tout ça. Et du coup, j'aide. Alors, à la fois par l'intuitif, par l'énergétique. S'il y a besoin d'un soin, j'ai une formation en Reiki, donc je vais faire aussi un soin en Reiki s'il y a besoin. Moi, je vais au fur et à mesure du corps, de ce qui se présente dans cet échange, dans les soins, parce que ça peut durer sur plusieurs soins, proposer les outils que j'ai à ma possession. À la fois le décodage biologique, les émotions, les fleurs de Bac, je peux faire aussi en test musculaire, sur les mémoires de vie, enfin voilà, tout ce que j'ai déjà acquis moi par expérience. Le plus connu, parce que c'est celui que je pratique depuis maintenant bien 15 ans, c'est la coupe harmonisante, qui est une technique de coupe au rasoir. Et la façon dont je coupe les cheveux crée une vibration comme un archet sur les cordes d'un violon. Cette vibration, elle résonne dans la boîte crânienne, qui est la caisse de résonance, et se diffuse dans tout le corps. Donc on va passer à la fois par les méridiens, par les chakras, et puis par les organes. Moi, j'utilise aussi le décodage biologique pour mettre de la symbolique quand il y a des ressentis pour la personne. Donc, bienveillance, douceur et présence. Donc, quand je regarde tes cheveux, la première chose qui me vient, c'est la douceur par les boucles. Vraiment, ça exprime ta douceur. Et puis, un côté qui est plus en protection que l'autre. Donc là, le côté droit. Tout en ayant une envie d'ouverture, mais encore hésitante, un petit peu tranchée, puisque la frange, elle part aussi du côté droit avec quelque chose d'un petit peu tranché. Voilà. Aussi, ce que je vois, c'est le côté tour de l'oreille. Donc, cette zone, c'est vraiment une zone liée aux émotions. Les méridiens, ils gardent l'énergie des émotions non exprimées. Et là, raser, pour moi, ce qui vient, parce que ce n'est pas raser complètement. Donc, il n'y a pas de la dureté, il y a un besoin d'ouverture. T'ouvrir à ce que tu ressens, peut-être à tes intuitions, à tes émotions, être plus à l'aise, enfin voilà. C'est ça vraiment que je vois là. D'accord. Merci.
c'est sûr. Alors juste un petit retour concernant l'analyse de Stéphanie sur ma lecture de cheveux, qui a été effectivement assez pertinente. En plus, je venais de me couper les cheveux juste hier, donc ça a révélé pas mal de choses que je voulais laisser transparaître sans vraiment en avoir conscience. Et là, c'est venu poser des mots, et je vais garder le mot douceur, le mot ouverture et encore un peu le mot protection. Voilà, ça me va bien. Encore un grand merci à Stéphanie Barrios pour ce partage. La semaine prochaine, les causeries continuent leur série Approche du corps avec Delphine Pellet, coach neurocomportemental en nutrition, spécialisée dans la méthode mère. Vous aimez notre programme ? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, partagez nos vidéos sur les réseaux sociaux et retrouvez toutes les informations sur notre site lescauseries-lyon.fr.